Salut tout le monde, j'espère. Regardez les clochards. En fait, elles veulent me déconcentrer à faire une intro. J'aime pas quand on me regarde quand je parle à la caméra. Et du coup, elles ont fait exprès ces matchs-là. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, c'est jour de match. On se retrouve pour Lens-Brest. Le match aller, c'était très très mal passé. On s'était pris 4-0, malheureusement. Du coup, j'espère que là, ça ira mieux. En ce moment, ça va plutôt bien. Il faut qu'on récupère des points pour pourquoi pas essayer d'accrocher l'Europe à la fin de saison. On se retrouve au stade, j'ai pas grand chose à dire là, du coup on se retrouve au stade et À tout à l'heure. Ah ouais, j'étais pas concentrée à cause d'elle là, du coup j'ai pas précisé, aujourd'hui c'est le 100e match de Massadio Haïdara, mon joueur préféré au RC Lens. Du coup aujourd'hui je mets pas le maillot de cette saison, mais je mets mon maillot, faut pas... bah, attends, elles vont me servir à quelque chose. Aujourd'hui j'ai mis le maillot floqué Massadio Haïdara. En espérant que ça porte chance, bon on se retrouve au stade, à tout de suite, j'espère qu'on va gagner. C'est bon là, on est arrivé. Je vous avoue, je regrette un peu d'avoir mis un gilet. En plus, j'ai qu'un t-shirt en dessous. Je crois que je vais avoir froid. J'espère pas. C'est bon, on est arrivé. Magnifique ça, il n'y a pas beaucoup de monde encore. Thank you.
pas lui. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ah, c'est bon, c'est le bras. Ça devrait aller. C'est bon. Il re-rentre le crack. Mais que tirer, mais que à côté. C'est la mi-temps, comment dire que j'ai froid. Je regrette de ne pas avoir mis mon manteau. En plus, je sors d'un rhume. Du coup, je vais me le rechauffer, c'est sûr. On joue super bien, je trouve, bah, comparé aux autres matchs. On s'est pas marqué, c'est toujours, on a plein de tirs, mais tout ça compte. Franchement, on a essayé, au moins, on pourrait dire qu'on a essayé. Le but de Frankowski, je comprends pas trop pourquoi il a été annulé. J'ai pas encore regardé de ralenti, vraiment, il faut que je vois ça parce que, je sais pas, c'est bizarre.
Mais sinon, c'est dommage qu'on sache pas tirer parce qu'on aurait pu gagner ce match haut la main. On a eu beaucoup d'occasions, mais bon, pas assez dangereuses. Et le gardien de Brest aussi, il était incroyable, franchement. S'il n'avait pas été là, je pense qu'on aurait gagné aussi. Après la conférence de presse, Franck Hez, il a dit qu'il était déçu de l'arbitrage français, en gros, que la VAR était mal utilisée et tout. Je le comprends totalement, c'est carrément vrai. Genre, on a installé la VAR, on a dit que ça va tuer le football. Elle est utilisée pour des petits trucs et des trucs où on en a besoin, elle n'est pas utilisée. Bref, j'espère que le problème d'arbitrage en Ligue 1, il va se régler, hein, parce que c'est dégueulasse, là, même en Ligue, en France, en gros, en France, l'arbitrage, il est pas très bon. Hein. Après, je vais pas remettre la défaite sur la faute de l'arbitrage. Ça serait trop facile. On n'a qu'à être plus dangereux devant aussi, nous. Même si on a fait énormément de tirs, on cadre pas, en fait. Et sinon, bah, à part ça, je suis déçue d'avoir perdu parce qu'on mérite de gagner ce match. Et en même temps, je sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux à part marquer, du coup. Parce que le match, il était pas si mauvais que ça, en vrai. C'est dommage, on verra au prochain match ce que ça va donner. J'espère qu'on gagnera au prochain match. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. C'est la fin de ce vlog, cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. J'espère que vous avez activé la petite cloche. Et on se retrouve au prochain match, je pense. Merci à tous ceux qui ont suivi. Ciao.